Eh bien bonjour tout le monde, c'est Dairon. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de World of Warcraft Burning Crusade. En donjon, hein. En donjon avec à première vue un grand malade. On a un niveau 74 avec nous, donc en fait c'est ça que le mec. Je pense que je vais pas servir à grand chose dans le donjon parce que le mec les one shot. Bon bah. Ça va être hyper vite torché du coup. Oh ouais non. Je dois me rapprocher. Pff, ouais limite sur un boss ça pourrait être intéressant que je sois tank. Enfin peut-être. Bon à voir, ce sera encore un donjon grand n'importe quoi. Hein. Sont commencer à avoir l'habitude maintenant des donjons n'importe quoi. C'est trop loin. Par où? Ouais, par ici. On a perdu qui? On a perdu un des DPS. Hein. Ah mais non, je crois qu'il était pas connecté en fait. Il avait, à mon avis, il avait jamais réussi à se connecter les gars. Bon, bah, du coup, je pense que l'épisode sera relativement court. Hein. Mais ça fait, c'est bien, moi ça fera de l'XP en mode gros rush, mais. Pas hyper intéressant pour vous. Et bon, je vais être honnête avec vous, je vais pas recommencer la vidéo avec un groupe plus normal parce que c'est déjà la troisième fois que je tente de faire cette vidéo donc. Ouais, en fait, la première fois, bah, on a eu le heal qui a quitté, je crois. Donc, pas moins de retrouver un groupe. Et la deuxième fois, on a aussi un problème des joueurs qui ont quitté. Bah disons quand on a un groupe déjà formé pour réussir à le finir tout tranquillement que des trucs comme le heal ou quoi, c'est relativement chaud d'avoir un groupe qui tient la route. Hein. Enfin, déjà d'avoir un groupe tout court, alors en plus après avoir un groupe qui tient la route. Même si bon c'est vrai qu'on n'a pas besoin de grands joueurs à ce niveau-ci, mais. Ah voilà l'épée rose, ouais. Bon bah voilà, premier boss déjà tué. Bah notez que sur les deux ou trois essais que j'avais fait, on n'avait jamais réussi à passer, enfin à combattre le deuxième boss. Ah si, le deuxième si. C'est... Voilà, le Riripin le tendre. Et donc ce boss là, enfin les adds de ce boss là avaient tendance à me poser problème en tout cas au niveau du tanking. Enfin, pas les adds, mais les mobs avant d'attaquer le boss. Hein. Parce que j'ai regardé, c'est horrible. À mon avis, je manque de stuff. Mais pareil, mais il m'infligeait entre 1500 et 2000 par attaque. J'ai quand même que 20 000 points de vie. Quand ils sont à 4-5 sur moi, ça fait du 2000 de DPS que je reçois quoi. Enfin, 10 000 de dégâts par, ouais, dégâts par seconde, mais reçus et non infligés. Donc bah disons que je tiens à peu près 10 secondes. Ouais, dans la logique je tiens 10 secondes. Je n'ai pas. Bon allez hop continuons. Ici c'est déjà le deuxième boss. On va juste pull tout ce qu'il y a à pull. Allez vas-y hop je te ramène les mobs, tu les tues toi. Viens ici le boss. Que faites-vous? Ce sont des spécimens très fragiles. Je suis en défense. Il a combien mec? Ah puis je croyais que c'était un DK, c'est un DK, mais non c'est un paladin. Ah bah oui ok. Le paladin donc bon il est en stuff Lich King hein, mais il fait du 10k6 de DPS.
Le deuxième, c'est moi avec 0,7. Donc il fait juste presque 10 plus que moi. C'est là qu'on voit le gouffre qu'il y a entre les donjons burning, enfin entre le niveau burning et le niveau Lich King. Voilà, c'est les 7 tirs là, qui font vachement mal. Mais bon, là je récupère même pas l'aggro quoi. Donc, Je suis amical auprès des châtards, ce qui est bien parce que ça va même servir à rien du tout. Alors, regarde comment je prends cher quoi. Wow! Ouais, j'ai quand même cru que j'allais mourir. Pourtant, ils me font pas si mal que ça si. Ah bah si. 1400, 1900, 2000, 1970, 1600, 2200, 1800. Putain, ils font trop mal. C'est trop loin. Ouais, t'as raison, je vais laisser combattre. Bon, je pense même que je vais respé en DPS, hein, ça sert à rien que je reste comme ça. Hop. Merde. Que le gars tank quand même mieux que moi, donc. Oh purée, le boss est déjà mort, allez, abusé. Je dois d'abord choisir une cible. Puis je suis passé en DPS. Voilà. Fini une quête. Ok, mais une suite alors, allons-y. Alors, des flageoleurs de chair, des hurleurs d'effroi, des horreurs en mutation et une feuille à évolution rapide. Wow, c'est... D'accord, on va pas récupérer l'aggro. Enfin, en fait, là, c'est... On va pas dire que c'est la faute du heal, c'est simplement que le heal n'était pas habitué à devoir envoyer du heal. Donc forcément, dès qu'on se prend des dégâts, ça surprend un peu. Donc on va revérifier dans le journal de combat. Oh purée, le coup... Ah oui, il va dire le coup le plus gros que j'ai reçu, mais bon, c'est un coup critique, mais ça reste quand même un 2800. 2800, c'est tout de même relativement violent, quoi. Allez, vas-y, mon gros, je te laisse pull. Oh, mais il est one shot, quoi, c'est abusé. Ah bah oui, bah c'est le boss suivant, c'est ici en fait. Je ne peux rien porter de plus. Je me souviens plus exactement de la strat, mais je sais bien qu'en héros il était très sympa à faire. Je crois qu'en héros il y avait des cristals qui popaient ici, et il fallait les dégommer. Ouais, à mon avis il y avait des cristals sur chacun des présentoirs, ou une plante, je sais plus. Je dois m'approcher. Allez, quoi il y a 11-4 DPS. Hein. Hop. Ah bah allez, encore une quête, c'est nickel ça. Mon inventaire est plein. Ah, mon inventaire est plein, merde. Bah attendez, il y a de la bouffe. Ouais, en fait c'est aussi parce que j'ai commencé à monter ma joaillerie, donc du coup j'ai tous mes crafts qui traînent dans mon sac. Faut peut-être que je m'en débarrasse. Je ne peux pas attaquer cette cible. Je n'ai pas de cible. Oui,
voir, qu'est-ce qui me sert encore à rien là-dedans? Encore des trucs de bouffe, des champignons aussi. Voilà, il y a un petit coup de l'œil. Oh, mais la vidéo elle va durer 10 minutes quoi, tout casser. Allez là mon beau le boss. Ah purée, j'ai récupéré la grotte. D'où, pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas de sort d'agro pourquoi? Et le paladin fait bien plus de dégâts que moi. J'avoue que j'ai pas très bien compris pourquoi, mais bon. Il sent pas le casque en fait. Hop, Cupi, et ça, ça aurait été bien pour moi, mais. Pas de jeu de besoin, dans ce cas-là, je lance le jeu de besoin, comme ça au moins c'est fait. Bon, on peut signer une quête à valider, voilà. Eh bien écoutez, voilà, devant terminé. On l'aura vraiment traversé, hein, mais... C'est vrai que quand on a un haut level comme ça qui débarque... Surtout qu'il me semble que le cave doit vraiment être en limite. Attendez, c'est jusqu'au niveau combien qu'on peut rentrer ici? Ouais, c'est jusqu'au niveau 75. Donc ouais, non... Le gars normal il est le droit de rentrer, mais il y a une trop grosse différence entre les deux quoi. Enfin bon. Allez bah écoutez, comme d'habitude, j'espère que comme cette vidéo vous aura plu malgré la rapidité du truc. Sinon n'hésitez pas à commenter, partager. Bon, partager peut-être pas celle-ci, c'est pas la plus impressionnante des vidéos. Mais bon. Et nous on se retrouve donc très rapidement pour un nouvel épisode. Allez, salut tout le monde.